Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, Diamond Painting bien sûr, mais un peu spécial. Vous avez vu que j'avais reçu de la boutique mes petits diams pour mon cadeau d'anniversaire un marque-page. Donc je vous avais promis de le faire en vidéo. Bon, je vais le faire hier soir, comme je vous ai dit, mais si j'étais trop fatiguée, je vous le ferai aujourd'hui dimanche. Donc hier soir, moi, j'ai pas pu le faire. Donc, comme promis, voilà, on est dimanche, je vous l'ai fait. De toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire aujourd'hui, hein. De toute façon, bon, parce qu'il y a déjà il y a confinement. Et puis, de toute façon, le temps est pourri. Voilà, il pleut à verse. Donc, il n'y a vraiment rien d'autre à faire à la maison. sinon, bah, rien de nouveau. Ah oui, j'ai eu des nouvelles de mon colis. Oui et non. Alors, il s'avère que l'email que j'ai eu de la poste, ce serait peut-être une arnaque. Je sais pas ce que c'est exactement cet email. Parce que le nom de la société qui était marqué dans l'email de la poste avec le numéro de Colissimo, etc., je connais pas, ça correspond à rien. Donc, je vais voir avec la poste à quoi ça correspond. Parce que en plus, le colis que j'attends, il vient d'Amazon. Et chez Amazon, j'ai une adresse email. Et le Colissimo, la poste, c'est ma deuxième adresse email. Donc, bah, du coup, c'est pas ça. C'est pas mon colis d'Amazon. Voilà. Et du coup, mon colis d'Amazon, donc je vous disais, hein, c'était mon cadeau d'anniversaire de mon chouchou, de mon mari. J'ai eu un message aujourd'hui comme quoi le colis avait pris du retard. Et qu'il fallait que j'attende, enfin qu'il allait être normalement livré entre le 15 et le 18. Voilà. Donc que souvent quand les colis prennent du retard, ils sont présentés le lendemain. Bon, on est dimanche, ils livrent, hein, le dimanche. Mais bon, là il est 15h15. Bon, jusqu'à maintenant j'ai rien eu. Mais bon, ça m'est déjà arrivé à 18h d'avoir des colis, hein, donc on verra bien. Sinon, j'attendrai demain et demain, j'appellerai Amazon, hein, pour savoir où en est mon colis. Parce que celui-là, je ne voudrais pas qu'il soit perdu. Je vous ai dit, hein, dès que je le reçois, vous comprendrez pourquoi je suis inquiète de savoir où est passé mon colis. Là, demain, je vais les appeler et voir avec eux ce qui se passe. Si je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, si je ne l'ai pas reçu demain, je vais voir avec eux ce qui se passe. Parce qu'ils me marquent, sinon on vous rembourse. Mais je ne veux pas être remboursée, je veux mon colis. Voilà, c'est tout ce que je veux. Je veux mon colis. Donc voilà, bon. On verra. On va croiser les doigts. Et puis j'espère que je vais être livrée. L'email que j'ai eu de la poste, là, bon, par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que c'est une arnaque. Mais ce qui me semble bizarre, c'est que quand je clique, j'arrive sur un site, sur le site de la poste, sur le site de Colissimo. Mais bon, maintenant, les arnaqueurs arrivent à recopier les sites. Donc, voilà, c'est bizarroïde. Mais bon, on verra bien. Tout ceci mis à part, je veux mon cadeau d'anniversaire. Voilà. Tout ceci mis à part, ben voilà. Donc, j'ai fait mon petit marque-page. Il est très beau, vous allez voir. Il était très rapide à faire, hein, très facile, et j'ai pas eu de gros problèmes, hein, donc bon, bien sûr il reste des perles,
Donc ce sont des perles que je vais garder pour un prochain kit où il m'en manquerait, on sait jamais. Mais bon, en diamants spéciaux, jusqu'à maintenant, je touche du singe. il m'en a jamais manqué, donc bon. C'est... Ou bien pour une copine à qui il manquerait des perles. Donc voilà. Je vais vous laisser visionner donc cette petite vidéo. Je vais vous faire plein de gros bisous. Je vous souhaite un bon dimanche. Enfin, ce qui restera du dimanche. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Bon visionnage.